Coucou, ça fait longtemps, on n'a pas fait. J'ai fait et je partage avec vous courir. Ça m'a tellement manqué. Là, ça me fait vraiment du bien, même si physiquement, je suis toujours fatiguée. Mais, ah là là, ça m'a trop manqué. Merci Hassina de m'avoir poussée à reprendre. Franchement, là, même là, on est toujours en 2020, mais j'ai pris tellement de résolutions. Dès maintenant, j'attends pas le 31 décembre pour m'épanouir encore plus, pour avancer encore plus, pour vraiment prioriser. C'est très important. Prioriser et voilà, faire tout ce qui me rend heureuse et balayer. Mais couper, j'ai dit balayer, mais vraiment enlever, m'éloigner, éviter tous les mots, tout ce qui m'énerve, tout ce qui me rend un tout chouïa, triste ou malheureuse ou énervée ou etc. Next, c'est bon, je next. J'ai tellement d'objectifs, tellement de projets. J'ai besoin de toute mon énergie positive pour réaliser tout ça. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte et j'ai hâte. Je dis rien pour l'instant. Mais franchement. Ah là là, ça m'a manqué. Là, je vais au parc. Normalement, il ferme pas tout. J'ai vu que c'était jusqu'à 20h. Ah, je vais essayer de reprendre mon rythme comme avant. Prenez soin de vous, pensez à vous, faites ce que vous aimez, voilà. C'est tout, oui. Ah là, il y a du monde parce que... Ça a coupé, j'ai dit que je suis pas très loin de l'entrée. Ah oui, par contre, les toilettes, j'ai pas eu le courage de rentrer. C'est noir et j'ai peur. Et oui, j'ai un petit peu peur. Ah là là, j'ai vu quelque chose qui bouge là, finalement c'est un chien avec une truc lumineux. Vous le voyez? Je sais pas ce qu'on le... Ah oui, on le voit derrière. Je voyais le truc vert qui bouge. Ah là là. Oui, et c'est ça. Donc faites ce que vous aimez. Et surtout, be yourself. Soyez vous-même. Voilà. Kun enta. Au kuni enti. Soyez vous-même, be yourself. Je vais tout résumer. Je vois un truc vert qui bouge. Ah là là, mon moral lorsque je cours là. J'ai toujours de l'énergie. J'ai pris du Red Bull, mais je dois sortir là. C'est rien, le film d'horreur. Attendez, je vous montre les toilettes. Donc là, c'est la sortie. Attendez, hein. D'habitude, j'ai l'habitude de boire de l'eau ici. J'ai l'habitude de boire. Film d'horreur. J'ai l'habitude de boire de l'eau. Et là. C'est fermé. Regardez les toilettes. C'est mais j'ai l'habitude de rentrer, mais là, regardez. Attendez. J'ai pas le courage. Il y a des limites. Je suis courageuse vis-à-vis des humains. J'ai pas peur des humains. Je vous couche pas. Ah, alors là, je vous cache pas. J'ai pas peur des humains. Les humains ne font pas peur. Mais je crois un peu surnaturel ou djinn, etc. Et c'est ça ce qui me fait peur. Donc là, je rentre. J'ai fait quand même 7 km. J'ai ma vie, c'est là. J'ai soif. Mais non. Je suis à ce point. Je suis courageuse. Si c'est un autre humain, la norme, je rentre. J'ai pas peur. Avec mon regard à Scarface. Mais oh là là, ça m'a fait un bien fou de faire du sport et là je vais essayer de reprendre régulièrement. Pardon. Les gens qui courent et Njima qui blablate. Ça c'est les vrais. Il est où? Voilà. Et moi, blablabla, cloc, comme disent les Égyptiens. Allez, bisous.
petit gros. Ah, c'est un blush. Donc ça, c'est 11. Et voilà, un vernis rouge cerise. Voilà. C'est un rouge à lèvres. Nude. Bois de rose. Très joli. Et pour 12, j'ai préparé la phase. Ah, très, 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 très belle couleur. Franchement, ça, je suis ravie. C'est un rouge à lèvres liquide. Ah non, c'est un gloss. Oh non, j'aurais aimé que ça soit un rouge à lèvres liquide parce que cette couleur, j'aime bien porter. Mais bon, ça reste très, très joli. Voilà. Pour un autre parfum, j'ai réouvert parce qu'il est très, très difficile à... Donc là, c'est Délice Enchantée, un parfum. Et... Wow. Hey, ma. Je connais pas du tout cette marque. Comment elle s'appelle? Crayolan. Ok. Je découvre la couleur. Jolie. Je connais pas. Donc, quoi ça? King état libre. Autre parfum. Ah ok, je le montre après. Attendez, j'ouvre le 12. Il est où le 12? C'est un masque, je crois. Ah oui, il y a une carte. C'est quoi ça? La chope est pour son mode. Offre spéciale. Ouais, c'est 10 euros. Sur et masque. Pretty Little Things. Franchement, les parfums, j'aurais pas dû le mettre là. Je l'ai mis sur mon panier, mais j'aime pas du tout. Moi, je suis très difficile en parfum. Surtout les parfums pour hommes. Un blender de Real Techniques. Ça fait longtemps. J'adore leurs pinceaux. Vraiment. Donc là, top. Je sais que c'était la concurrence du Beauty Blender. Bon, je remets après. Et pour 12. Ah non! Hein? Attends. Ah oui! C'est le dernier jour! Ah, pourquoi? Voilà. C'est le dernier jour. Lui, et Benefit. Ah oui! Ah oui! Donc ça, c'est... Attendez, pour ne pas me tromper. C'est bien... Ouais. Voilà. L'avant-dernier jour et le dernier jour. Le Butter Gloss de NYX. Bon. Le Benefit aussi, c'est le dernier jour. Ce que je vais faire, c'est je vais garder la boîte avec tout ça. Et je le remplis avec des produits et je vous le fais gagner. Au fait, oui. Pas qu'avec des produits Benefit, hein. Pour qu'on soit bien d'accord. Donc, 11. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est la base. C'est la base hydratante. Oui. C'est quoi ce... Oh là là, ce nouveau... Voilà, ça, c'est la base hydratante. Si ma mémoire est bonne, le 12, c'est le magnet. C'est le mascara. Celui-là, je lui ai fait son unboxing sur YouTube aussi. Ouais. Voilà. Le magnet. Donc, ces deux-là, je les ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre ici. Je les garde pour le concours que je vais faire. Et ça, je change. Voilà, voilà. Le 11 pour Lancôme. C'est la Rénergie. Et le 12. Ah, c'est une crème. C'est quoi? Ah, les facernes. Hâte de le tester. Le Bourjois. 11. C'est un gloss aussi.
Très jolie couleur, vraiment magnifique. Et j'ai ouvert le 12, là. C'est un blush. Ah non, pardon. Même si j'ai fait son unboxing sur, sur YouTube, mais j'ai oublié. Très joli. Très, très joli fard à paupières. Armani. 11. C'est bien 11, oui. Oh, minuscule. Ah oui, ouais, c'était un... Franchement, un, là, c'est un peu exagéré. Mini, mini, mini... miniature du rouge à lèvres 400. Et le 12. Ah oui. C'est passion intense. Miniature du parfum si passion. Guerlain. Guerlain. Oh. Santal. Powerosa. On va rejoindre ses copines. Ah là là, cette, franchement, j'adore ces parfums Guerlain. Et 12. Une autre bougie hippie sous les étoiles. Attendez, j'ai pas envie de faire des bêtises. Yes. Avant de passer au Dior, je range ça. Donc, vous préférez 11 ou 12? Bouf, vous vous dégagez d'ici. Ils sont vraiment les hippies, c'est vrai. Déjà là, je vais la brûler. Elle est où la troisième? Non, elle ne me dit pas. Ah oui, elle est là-bas. Ok. Je me disais bien, je l'ai brûlée la dernière fois, je l'ai mise loin de ce côté-là. Voilà. Ah, ravie de ma collection. On passe au Dior. Donc, cette année, vraiment, moi, je préfère le Guerlain de loin que le Dior, je ne vous cache pas. Ok, ok. Oui, dans laquelle 11? Le 11 est ici. Miss Dior. Attendez. C'est quoi? 12. Ah oui, j'ai mis le scotch parce que lorsque j'ai mis le, j'ai fait le unboxing pour YouTube, il a un peu capture totale. Donc c'est une miniature, je sais pas combien, 15 ml du soin. Voilà. Donc la case 12. Ouais, j'ai terminé. J'ai terminé les calendriers. Donc vous me dites, vous préférez quoi? 11. 12. 13. Je l'ai trouvé après, je l'ai perdu. C'est une crème pour les pieds. Ah, je vais l'utiliser. Pour Kiko. C'est très léger. Ah oui. C'est un... blender. Adopte. Ouh. Vraiment, je souffre avec lui. Alors. Liberty Dream. Donc, c'est un parfum. Vraiment, le calendrier, il est très, très intéressant pour tester tous les parfums. On n'a pas fait un tour aux archives. Lorsque je termine, je vais faire un tour aux archives. C'est un gloss aussi. C'est rien gelé. Ouais, lip gloss. Sugar Jam. Lilia, s'il te plaît! Je filme. The Voice. Le 13 du Glossy Box. Ah, Zoeva. Ça fait très très longtemps que moi j'ai pas utilisé cette marque. Et là, c'est un mascara.
Vraiment hâte. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui avec les crèmes pour les pieds? Ici. 1, 2, 3. Alors, cherchez le 13 avec moi. Elle est là. Ah, c'est lourd. J'ai déjà vu cette marque, mais je ne me rappelle plus où. Mais c'est une crème pour les... J'ai déjà vu cette marque, mais je ne me rappelle plus où. Mais c'est une crème pour les... pour Lancôme. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire un unboxing de la collection Emily in Paris. C'est une magnifique collection. Ah oui, je me rappelle. C'est vraiment un des soins luxe de chez Lancôme et c'est l'absolu crème. Celui-là. Hi, j'avais hâte de... Ouh, ma tête. Je suis là. Hâte de le tester. Déjà, je vais bientôt terminer ma crème de nuit, donc je le mettrai à côté en plus là avec le packaging doré. Oui, je suis faible devant cette couleur. Je suis faible. J'étais avec ma calculatrice à faire le calcul du prix de celui-là parce que je sais, j'ai jamais essayé. Je sais que c'est une des gammes de Lancôme haut de gamme. J'ai trouvé que le 60 millilitres coûte 195 euros. Celui-là, c'est un 15 millilitres normalement. Oui, c'est un 15 millilitres. Donc j'ai fait les règles mathématiques. 195 euros, 60 millilitres. Donc 15 millilitres, c'est combien en euros? Donc c'est instant mathématique. 15 fois 195 sur 60. Et j'ai trouvé que le prix de celui-là, c'est 48. 48 euros, 48, voilà, c'est la règle. Amélie Sodafia, comment on appelle ça en français? Croisé, bon, la règle triangulaire. Oh, je dis bourgeois. Vous savez, j'allais là, j'ai pas encore préparé la sauce. Les enfants ont mangé, moi et mon mari, pas encore. Je vous regarde ma life et je trouve pas le 13. Je vous jure, je le vois pas. Ah, il est là. Et normalement, on va faire du riz avec de la sauce crevette. Je lui dis, attends, je termine mes calendriers parce que je fais les crevettes sur mes doigts, c'est une cata. Donc là, tout est prêt. Il y a juste là les crevettes que je dois. Lui, bon, il n'aime pas. Les os, c'est les crevettes. Marrant. Ah, grenat, pardon. Très jolie couleur. Sachant, celui-là, c'est le bourgeois. C'est celui de la dernière fois. Toujours en restant vernis, 13. Ah, on l'a eu, ça fait quelques années. Ouais, je sais que je l'ai celui-là. Jolie couleur. Teint crayon. C'est quoi? Comme il y a du scotch? Ouais. Crayon noir. Ah non, c'est un... Oui, brow, donc c'est un crayon pour les sourcils, mais il est foncé. C'est un crayon sourcil, c'est ça? Mani, l'avant-dernier, avant-dernier, avant d'attaquer les crevettes, parce que j'ai la dalle. 13. Ah oui. Oui. C'est un eyeliner. Hâte de tester leur eyeliner. On va voir à ce qu'il est clément. Parce que je ne sais pas très très bien utiliser, je ne vous le cache pas. Donc, celui-là, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, je le mets à portée de main. Parce que depuis un moment, j'utilise que le Kiko, que je trouve celui que je vous ai montré la dernière fois, que je trouve magnifique. Donc, hâte de tester ça. Ah là là. Oui, le chat.
Non, je cherche le 13. Lui, il a trouvé le crocodile, il a trouvé le chat, il a trouvé le piano. Et moi, je trouve pas le 13. Où est le 13? Wallah, je vois pas. Subhanallah. Attendez. C'est pas... Attendez. Voilà. Lui, il a trouvé tout et moi, pas encore. Ok, donc c'est une savonnette. Dior. D'ailleurs, le Dior de quelques années, il est là-bas. Et l'autre, il est là-bas. Avec les autres boîtes. J'arrive pas à les jeter. Oh là là. 13. Escargot. Et moi, je trouve... Mascara. La miniature du mascara, on l'a eu l'année dernière, celui-là aussi. Maintenant, c'est vraiment ici. Belle la couleur. Ah, en plus, c'est un format... Je crois que je l'ai déjà. Donc, je voulais vraiment vérifier si c'est le même que je possède. Celui-là, c'est le 77. Voilà. La dernière fois, j'ai mis... Ah non, je vois pas. NYX. Oh, là, je lui ai crevé l'œil. C'est un highlighter, c'est ça. MAC. Tout petit, tout petit, tout léger. C'est une base, on n'a pas déjà eu une base. C'est ça, non? On a eu une base la dernière fois. C'était pas mal de vous dire. Ah là là, c'est fun. Je sais. J'adore ça, c'est un lutin, c'est ça? Je vous ai dit, chaque jour je vais vous mettre un personnage. Ah là là, là je viens de prendre ma douche, je me sens bien, puis j'ai mis du parfum, j'ai mis les parfumés, des parfums. Ah, pyjama, tout propre, tout chaud que j'ai mis sur le chauffage, j'ai tout mis sur le chauffage. Tout! Même les chaussettes, tout, 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 tout. Ah, donc là j'ai dit... de lire vos commentaires. Bon, je peux pas les publier, mais apparemment je suis pas la seule qui met tous ses vêtements sur le chauffage, surtout un certain vêtement en hiver, je vous jure, ça fait plaisir si on le met sur le chauffage. Vous voyez de quoi je parle? C'est le bonheur lorsqu'on le porte chaud. Ça me rappelle Mr Bean. Je crois que c'était Mr Bean qui a mis comme ça ce vêtement là dans le chauffage pour le chauffer. Il avait froid. Je me rappelle. Vous me le dites, c'est bien Mr Bean. Je croyais que j'étais la seule qui faisait ça, mais finalement. Pleurons ensemble. Non. Non. On y croit aujourd'hui. On est 13. Mais non. Non. Voilà. C'est pas possible. Ah là là, ce soir, décidément. Ah là là, ce sera... Ah, des... Là, c'est radio, rire et chanson, rire et calendrier. Je rigole toute seule, je vous jure. Je rigole toute seule d'aujourd'hui. Que...
des bêtises. Que des bêtises. 13. Dior 13. C'est ça. Oh, le rouge en plus. Ah, j'aime bien. 13. Je crois que c'est rose. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Mon best. Ah, je me suis vraiment là, je l'attendais. Alors, on a dit le 10.